Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 2 avec la famille Belfior. Regardez-moi cette petite rose qui s'éclate à jouer aux fléchettes. Ah là là, les enfants s'amusent. Bah écoute, les parents aussi, ils ont bien le droit de s'amuser. Maintenant que notre amie Bianca, du coup, est tout au top de sa carrière, eh bien, je pense qu'elle pourrait s'octroyer des petites vacances tranquillou. Avec son mec, enfin avec son mari. La petite est là, la grande sœur va pouvoir s'en occuper. Alors, voyons voir. Vacances. Réserver des vacances. Parce qu'on n'a pas exploré encore tous les lieux de destination de l'extension Bon Voyage. Hein. On a découvert les îles Twiki, mais on va aller au village Takemizu. J'hésitais avec les sports d'hiver. Je dis les sports d'hiver parce que j'ai oublié le nom à chaque fois. Ça passe sur là-bas. Alors, on va partir. Trois jours. Allez, quatre jours. Quatre jours avec ton mec, Danny. Juste à deux. Ouais, parce qu'après ça va faire trop, non? 4 jours, 4 jours c'est bien. 4 jours c'est bien. Les 3 lacs, voilà. Les 3 lacs c'est bien pour l'hiver, tu vois. Mais allez, on va au village Takemizu. Quoi que tu me diras. Ah non, mais c'est vrai qu'on avait acheté en plus. On avait acheté au village Takemizu. Bah voilà. On a déjà notre maison de vacances. Raison de plus pour aller là-bas. Et les trois lacs, on ira en famille aux trois lacs. Puis Servelle est là aussi pour s'occuper des enfants après tout. Non, ils sont entre de bonnes mains. Puis Flora, bon, c'est plus une enfant. Hein. En tant que végésime, de toute façon, il y a pas d'enfant. Mais c'est bien, tu pourras avoir ta promotion en plus. Qu'est-ce que t'as vu encore? Ah, Vladimir. Il y a des choses marrantes apparemment. Oh, Malabar, il devient vieux. Enfin, Papitou. Ah. Allez. Les valises. Ah, des vacances. Allez, toi aussi mets ton imperme d'inspecteur gadget. Oh là, la limonade a pourri. Hop, et on y va. Au village Takemizu. Au manoir, du coup. On va voir à quoi il ressemble, ce petit manoir. Bon, déjà qu'on a perdu 30 000 simflous dans l'épisode précédent. Bon, il nous en reste 17 000 quand même, ça va. On est plutôt riche. Le manoir du fourré vert. Et hop là. Allez. Ah bah il fait beau ici. Bah c'est le printemps. Printemps, printemps, automne, automne. Ok. Il n'y a que la demi-saison ici. Un membre du foyer a rapporté de nouveaux vêtements à la maison. Alors bon, il est petit le jardin. Mais très joli. Très joli cet arbre. C'est vide. Ah. C'est vide. Ça pourrait être vide. Bon. Ok. Super. Et ben, on va commencer par meubler. On va prendre des meubles d'Extrême-Orient, du coup. Hôtel spirituel des grâces étranges. Combien ça coûte ça? 2005. Mais c'est très joli. Donc j'en veux un. Dans mon jardin.
Oui, j'ai pas du tout le sens des priorités hein, sur ce qu'il faut acheter. C'est pas grave. 7005 ça. Alors, bon, c'est très beau. Mais quand même, il va falloir sélectionner un petit peu. Un jardin zen. Voilà. Faisons une parfaite petite maison. Il n'y a que ça en Extrême-Orient ? Table heure du thé. Alors, bah ici, hein. Ok. Ça, c'est ce qu'il y a là, hein. Ouais. Très mignon. Épée de Masamune. Dans l'entrée. Un tapis tentant tatami. Pour l'entrée. Oh, ces portes sont magnifiques. Dis-moi que c'est ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de porte. Ok. Non, mais sérieusement. D'où il n'y a pas de porte comme ça? Inadmissible. On vient pour dépenser, quoi. Au moins, voilà. Au moins celle-ci. Après, il est hyper moderne comme. Par rapport aux autres bâtiments. Ça, c'est quoi? Portail. Il est très beau. Si je mets une grille. Les colonnes, ok, mais il n'y a pas la grille qui va avec. Table de Mahjong. Ok. Ouais, c'est pas la porte principale, elle est là en fait. Voilà. Garde des sous quand même, hein. Putain, si j'avais eu encore les 30 000 là. Ah, une clôture qui fait si je fais ça. C'est pas mal. Ok. Bonsaï. Un peu de déco, voilà. Ok. Des bambous.
C'est un peu cliché. Combien ça coûte? Ah, c'est mieux les bambous sauvages. Ok. Une petite grenouille comme ça. Je regarde un peu ce qu'ils proposent sur les autres destinations. Ah, il n'y a pas tant de trucs que ça. Hein. C'est à la tente de, pour la montagne. Ok, bon. Chaise, salon de thé. La table est abominable. Alors, je pensais moi qui pensais partir en vacances là, je me trouve à devoir faire de l'ameublement quoi. Voilà. Le lit, ça va. On va garder un peu de sous pour faire des activités dans le coin quand même. Pam 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 pam. Il y a bien une lumière qui fait. Enfin, une petite lampe qui fait un peu. Ça? Oui, voilà. Alors. Ah, mais du coup. Ah. J'ai l'impression qu'elle. J'aime pas l'effet que ça fait, on dirait qu'elle va tomber. Y'a rien qui fasse oriental. Bah non, ça fait plus marocain. Eh bah tant pis. Ce sera comme ça. Et pas autrement. Ça, ce serait bien dans le prochain, dans les Sims 5, le jour où ils sortiront. Ce serait classer les collections vraiment, je sais pas, par pays, par style, mais avec tous les objets au global. Ils le font un petit peu déjà dans les Sims 4, mais c'est pas assez clair, je trouve. Hop, pourquoi je fais ça? Parce que c'est mieux. Un peu plus de place. Plafond trop bas. Qu'est-ce que tu me chantes?
peut-être pas nécessaire, cela dit. Je vais changer d'avis. Comme ça. Ah là, tu veux vraiment pas. Hein. Il y a un truc sur le plafond ici. Ah oui. Ah oui. Ils sont complètement chiés dessus pour le toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Gros souci de toi. Ok. T'inquiète, on va réparer ça. On va supprimer ce toit. Voilà. Comment on fait le toit à la japonaise? Ah voilà. Attends, attends, attends. Je suis pas un pro des toits donc. Celui-là, voilà. Coup dans le potage. C'est ma foi fort dommage. Ok. Enfin. Oh mais c'est frustrant. Je fais un test. Même pas assez de sous. Bon, c'est pas grave. On va tester quand même. Hop. Admettons. Vous pouvez pas faire ça. Je vais avoir un genre. Je vais le dire, un putain de toit européen pour ma maison de vacances ici là. Vous croyez que c'est crédible? Sérieusement quoi? Gâchez tout. Bon. Ah. On a dit que c'était le vert la couleur ici. Voilà. Pof. Peut-être pas tout du vert quand même. Ah, je vais ajouter un meuble quand même là.
les motifs. Ah voilà. Un peu plus sobre. Bah tiens, je vais le mettre là. Ok. Armature. On va laisser comme ça. Je sais pas ce que je ferai comme pièce ici. Peut-être rajouter un tapis. Peut-être pas un tapis H&M, non ? Vous avez quoi comme taille de tapis ? Voilà, ça j'aime bien. Bientôt ruiné. Bon. J'ai 250 balles pour faire les vacances là. Ah oui, bah t'as intérêt de peindre. Mais il pleut. Oh, ton dish. Igway. Ok, alors attends. Je recule de... Voilà. Allez. Je découvre un secret longtemps enfoui. Tiens, pêche un petit peu. Tu veux peindre? Bon. Fait des petites économies. Non, mais elle est mignonne sinon comme maison après. Tu te caches derrière là pour pas que les poissons te voient, c'est ça? Par contre, ouais. Ton fil il va se prendre dans l'arbre. Allez, faire gaffe à ses besoins, elle n'a pas de lampe. Tiens, bah oui, justement. Va dehors. Va prendre le soleil. C'est important pour toi. Ça va être sympa ces vacances. On va se détendre. Ah bah c'est bien. Et toi tu t'en sors ? Je mets des toilettes en bas aussi.
ces vacances valaient vraiment le coup. Non mais attends, on vient à peine d'arriver. Valoir le coup, c'est COUP. Allez, finis ton petit jardin. Et voilà. Bah c'est tout mignon. Alors, est-ce que tu peux méditer dans ton jardin du coup? Ah oui. Carrément. Ah oui, ok. Au revoir. Oula. Elle me fait peur. Alors là, la modélisation n'était pas du tout faite pour cette position. Ok. Faire tout le tour de la maison comme ça. Ça pêche ou pas ici? Tiens, d'ailleurs, oui, c'est vrai, au niveau de... l'inventaire, t'as des choses à vendre. Pourquoi t'as un palmier sur toi? Oh bah ça, typiquement, on peut le vendre. Ça aussi. Petit coffre au trésor. Ça, c'est des souvenirs. Bûche du capitaine. On va le garder. Silure. Et on peut attraper et accrocher les poissons qu'on a attrapés. Pauvre bête. Alors, si on se faisait une balade. Attends, pas forcément la supérette, mais... ça c'est quoi? Source chaude, tiens. Allons au onsen. Tu veux pêcher toi aussi? Allez-y ensemble. Allez, viens, Dani. Viens profiter des vacances. Ah, ça fait du bien. C'est très joli en plus. Enfin là c'est super pixelisé mais je pense que quand on y sera... faut qu'on découvre, faut qu'on voyage. Peut-être des choses cachées à découvrir. On a bien rencontré un sorcier aux îles Twiki. T'as peut-être faim toi en plus maintenant, non? Pas tant, mais bon, on va quand même commander un chirashi.
Table de massage. Ah, c'est pour apprendre. Oh, t'as les moyens en fait. On va découvrir ça. On pourra s'acheter une table de massage après. On dirait qu'il pleut dedans. Non, ça va. Oh, panas nih. Masih kundu. Balu noche. Consigo. Ele tá em si vigina. Don zapudo. Che chuba. Che chuba samba. Che chuba samba. Wakaduni. Tu te régales? Ah, t'as déjà mangé ou pas? Oui. Fais-lui un salut cool pour moi. Je ne comprends pas. Bon, il ressemble pas du tout à des personnes qui vivent au Japon, mais bon. Christian, oui, le Christian, quoi. Prénom de japonaise, hein, évidemment. Voilà. Alors, j'aimerais bien... Il y a un côté homme, un côté femme? Non, ils s'en foutent. Voilà, bien. J'ai besoin d'eau. Ça me rappelle les Sims naufragés. Il y a le let's play sur ma chaîne hein, si vous voulez le découvrir. Voilà. On est bien là. Très bien. Avec une petite pluie tiède, t'imagines ? La perfection. Allez, on se détend, c'est les vacances. Ouais, alors par contre, ouais, sous l'orage, c'est un peu plus flippant quand même, l'onsen. Mais bon, ça va. Ça devrait aller. Je vais faire une excursion, apprendre un nouveau massage, mais c'est... Ah non, toi aussi tu vas l'apprendre. Tu vas prendre le geste local. Allez, je vous l'apprends à tous les deux. Je crois que je pense à acheter une table de massage en rentrant. Après, on peut en acheter une aussi dans la maison. Hein. À l'étage, là, il y a une pièce, on sait pas quoi faire, on fait une salle de massage. Tranquille. Tranquille, Emile. Oh, il est beau le poil, j'avais pas vu.
Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Elle bouge ses fesses en plus. Allez, il la rentre. Et bien notre chaîne. Une musique du coin, non? Musique du monde. C'est pas le même monde cette musique, mais bon. Ah bah ils dansent, ça a l'air de leur plaire. Un petit smussel. J'aimerais bien faire le geste local. Ah bah j'admire votre façon de danser, Mélissa. Bon bah d'accord. Ok. Alors, le problème c'est que... Ah bah, ça lui a remis l'énergie. Ah bah, il est pratique ce massage, dis donc. Super ce massage. Oui. Il fait quoi là? Mais c'est la chorégraphie de... Il faisait du thriller là. Kit d'excursion. Forêt de bambou. Alors, c'est une petite excursion. On va aller visiter la forêt de bambou. Bon, nous, on n'en verra rien, mais... Rendez-vous en hélicoptère à l'orée de cette forêt de bambou naturelle pure et faites une randonnée dans les bambous. 300 par personne. Allez. Tu... Forêt de bambou en maillot de bain? Tu fais ce que tu veux après, mais bon. Fais son choix apparemment. On sait bien, on peut bien profiter quand même. Allez. Hop, s'il est pas trop crevant, on peut aller ailleurs. Ça va d'aller. Vous avez découvert une carte d'une destination extrême orientale secrète déjà? On va aller découvrir ça. Ce serait quoi la zone secrète? La pagode dans la brume. Donc on a été rapide pour la trouver.
pagode dans la brume. Il y a une autre pagode à aller voir. Et un parc. On va aller la visiter. Allez. Gagne ton point logique. Je te le. Acheter une maison de vacances. Ah non, on est ruiné, ma chérie, là. Oui, ça fait du bruit, un hélico. Qui va-t-on rencontrer dans cette drôle de pagode? Il y a un beau jardin zen, un beau petit lac aussi. Vous avez fait un long voyage, mais voir n'est pas savoir. D'accord. Allons saluer le vieux sage. Voir n'est pas savoir. C'est un indice pour quelque chose? Il y a des fruits là. Ok. On peut vous aider? Tiga tiga. Ok. Niso niso. Pli cochas et la gana. Pas admirer ses fruits déjà. Bizarrement. Voir n'est pas savoir. L'humilité est la première étape. Servir le thé, peut-être. Bon, apparemment, il fallait servir le thé. Je rappelle que le sorcier du coup des îles Twiki m'a donné la poupée vaudou. Je ne sais plus du tout où je l'ai mise. Ouais. Je la retrouve. C'est quoi la deuxième étape? Tiens, va l'accompagner, il va pêcher. Toi, pendant ce temps, va refaire du jardin zen. Peut-être qu'il sera content si on s'occupe de son jardin. C'est bien. Parce que le sorcier fallait réparer ses objets, mais là je vois rien spécialement de truc à faire. C'est assez vide comme zone. Dans les bambous. Quel va 39
Metoa. Je vais pas papoter avec lui quand même. Zimsa, Jésus, est-ce que tu m'y attaches? Oh, mais là, que tu? Et tu as des mains? Et tu as. Qui m'a la Sonia? Qui m'a Sonia? Que molando! Bon, ils s'entendent bien. T'as fini ton... La pro du jardin zen. Voilà. Voilà. Alors, ça t'inspire le jardin zen terminé ou... Tapis stufa. Ah, il est allergique à quelque chose. Il faut le désallergiquer. On va se refaire un petit thé. C'est joli quand même. J'aimerais bien pouvoir faire ça moi aussi. Bon, ça inspire pas le vieux sage. Je peux même plus interagir avec lui. C'est chelou. Recevoir des félicitations. Je veux le féliciter pourquoi? Pour avoir fait le thé. Mystérieux endroit. Comment tu me trouves, tout ça. Bon, il crève de faim, Jean-Michel, là. Du coup, il boit plein de thé. Allez, on rentre. Merci pour le thé, vieux sage. Je sais pas s'il y a des choses à attendre d'ici, mais bon, on viendra au pire. Encore plein de lieux à visiter. Moi j'ai... Oh mais non! Il est revenu comme avant. Bah dis donc, ça dure pas longtemps un beau jardin zen. Ah là là. Allez. Bon, toi, faut que tu restes dehors, du coup. Hein. T'as besoin de lumière du soleil. Je vais mettre du savon là-dedans, ça va t'amuser. Toi, tu peux te préparer à manger, mais en même temps, t'as envie de faire pipi d'abord. Enfin, t'as besoin d'y aller, t'es chez toi, hein, tu fais ce que tu veux.
Bon, ça change rien. Ah. Ça va, c'est timide. Ah bah là, il est resté au moins. Va faire un vœu. On va faire une petite partie de Mahjong. Tetwoob Assad. Vous rencontrerez le succès dans la carrière que vous avez choisie. Ah bah, déjà le succès dans la carrière que j'ai choisie. Ah, tu le kiffes ton jardin zen, hein? Bon appétit. Toi aussi l'hygiène c'est pas terrible. En même temps il est crevé là. Va dormir. Va te coucher. Tu te laveras au réveil. Tu peux jouer seul au Mahjong. C'est moins drôle. Pour de l'argent. Faudrait qu'on invite des gens pour les plumer. Ah, j'avais dit, attends. J'avais dit. Table de massage. C'est dans quoi? Confort, peut-être? Activité. Attends, c'est pas là. Activité, compétence. C'est lumière. C'est ça, activité, compétence. Récréation. Oui. C'est très bizarre d'avoir ça chez soi. Mais voilà. On pourra faire des massages. T'es bien dans l'eau, hein. Vas-y, chou. Bah, tu peux jouer toute seule, non? On peut jouer seul au Mahjong. Enfin, il y a des jeux de Mahjong solitaire. Bah alors. Pas dans cette version, du coup. Bon, va pêcher. C'est très beau la fenêtre comme ça. Pour peindre. Ah mais on voit rien que le mur. Ils aiment bien ce coin là pour pêcher. Oh bah.
Bravo. Bravo, bravo. Allez. En tant que l'autre. Il pionce. Un bon pain. T'as chopé quelque chose? Une botte. C'est quoi ça? Vert coloré. Allez, Dani. C'est marrant, célébrité de la cuisine, ça se fait avec un point de charisme au final. Hop. Allez, on va se la faire cette petite partie de Mahjong. Deux, c'est suffisant, vous n'allez pas attendre que... Ah voilà. Il y a les petits motifs, c'est trop mignon. Ça, c'est des vraies vacances. Loin de cervelle, loin des enfants. On peut se reposer. Et on a des choses à découvrir au village Takemizu. Regardez. Il y a un petit truc sympa là. On dirait un petit marché. Un jardin zen immortel. La pagode avec le marché, tout ça. Les villas, bon, ça, c'est un hôtel. Bon, c'est dommage pour cette histoire de toit, mais bon, dans l'ensemble, elle est mignonne cette petite maison. Il va falloir qu'on la meuble un peu plus, mais là, pas beaucoup de sous. Bien, c'est la fin de cet épisode, du coup, des Sims 2 en voyage. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous invite également à consulter tous mes autres let's play des Sims. Les Sims 1, les Sims 3, les Sims 4, les Sims Histoire de Naufragés dont je vous ai déjà parlé. My Sims même. Il y a plein de choses différentes. Et même Singles. Ça, pour le coup, c'est très différent. Nebrum. Allez, merci à tous. À très bientôt pour la suite des Sims 2. Ciao, ciao.